Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. Écoutez, moi je vais plutôt bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça je pense que vous l'aviez sans doute un petit peu remarqué, c'est vrai on n'est pas sur la chaîne de Diablo X9, mais même si vous vous êtes trompé de chaîne, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci. Je suis persuadé que la vidéo vous plaira quand même. Il se peut également que la plupart d'entre vous voient la vidéo sur la chaîne de la Glitch Axe FM. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à pourquoi pas faire un tour sur ma chaîne et bien évidemment si vous y abonnez pour suivre vraiment toutes mes prochaines vidéo et m'encourager à continuer tout ce qui est tuto et astuces sur ma chaîne. Donc aujourd'hui les amis, nouvelle astuce qui vous permettra simplement et bien de mettre n'importe quelle image d'avatar sur votre profil PSN. Franchement c'est super sympa, je vous le dis maintenant, pour ce faire et bien vous devez savoir que ceci marche seulement sur PS4 et ce sont seulement vos amis proches, en gros les personnes qui auront fait une demande de nom réel, qui pourront voir cet avatar. C'est vrai, c'est un petit peu dommage, mais c'est toujours ça de gagner, d'accord? Donc c'est parti, on va directement dès maintenant commencer le tuto. Allez, à tout de suite. Donc pour commencer le tuto maintenant, et bien vous devrez dans un premier temps éteindre la PS4, c'est vraiment super important. Maintenant une fois que vous l'avez éteinte, et bien vous allez tout simplement devoir télécharger l'application PlayStation App, que vous pourrez bien évidemment retrouver sur iOS, Android et bien évidemment sans doute un Windows Phone, ça me paraîtrait un petit peu logique. Maintenant une fois que vous l'avez, vous allez tout simplement la lancer. Une fois que vous l'avez lancé, maintenant si c'est la première fois que vous la lancez, ils vous demanderont bien évidemment de vous connecter au PSN si ce n'est pas encore fait. Évidemment tout est entièrement sécurisé, il n'y a aucun souci pour cela. Maintenant une fois que vous serez connecté, vous verrez normalement en haut à droite votre avatar PSN. Vous allez tout simplement cliquer dessus, puis ensuite cliquer sur profil qui est la première option. Maintenant une fois que vous avez cliqué dessus, et bien vous allez normalement tomber sur cette page qui est évidemment profil. Maintenant une fois ici, vous allez cliquer encore une fois sur la première option qui est modifier le profil, et vous aurez maintenant deux choix. Nous ce qui va nous intéresser, ça va être ajouter la photo de profil qui est la deuxième option. Donc vous allez donc cliquer dessus maintenant. Une fois maintenant que vous avez cliqué dessus, et bien vous aurez normalement devant vous votre avatar PSN que vous avez en ce moment. Vous allez maintenant cliquer sur la deuxième option qui est sélectionner une photo, et vous allez normalement maintenant tomber sur les photos du téléphone. Vous allez maintenant choisir la photo que vous souhaitez voir en photo PSN. Une fois maintenant que vous l'avez sélectionné, et bien vous allez faire ok. Moi pour ma part, ce sera simplement mon avatar que j'utilise sur YouTube. Maintenant une fois que vous l'avez choisi, et bien vous allez tout simplement faire ok sur l'application. Vous aurez normalement un petit chargement ou téléchargement qui se fera simplement au centre de l'écran. Maintenant une fois que ceci sera terminé, vous allez normalement, si tout a bien marché, voir votre nouvel avatar à gauche de votre nom. C'est que tout aura bien marché, il n'y a aucun souci pour cela. Maintenant ce que vous allez faire, ça va être franchement super simple, hein. Vous allez tout simplement fermer l'application, et maintenant une fois que vous l'avez fermé, vous allez tout simplement rallumer la PS4, et moi je vous retrouve dans quelques instants pour la suite du tuto. Allez, à tout de suite. On se retrouve maintenant pour la deuxième partie du tuto. Ça je pense que vous l'avez bien compris, maintenant vous devrez bien rallumer la PS4. Maintenant une fois que vous l'avez rallumé, je pense que vous allez bien constater qu'en fait rien n'a changé pour le moment, l'avatar ne sera pas encore mis en place. Ce que vous allez faire maintenant pour le mettre en place, ça va être franchement super simple, hein. Vous allez pour commencer vous rendre sur le profil que vous avez sur la PS4. Pour ce faire, c'est vraiment super simple, hein. Je pense que vous le voyez bien en haut, il y a tout simplement mon avatar. Et bien c'est vraiment ici le profil, vous allez simplement cliquer dessus. Maintenant une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez devoir cliquer sur la première option qui est modifier le profil encore une fois. Maintenant une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez tout simplement devoir patienter. Ça peut prendre un petit peu de temps, comme quelques secondes. Ça va vraiment dépendre des personnes chez elles, la PS4 qu'elles ont tout simplement. Maintenant une fois que le chargement sera terminé, il y aura normalement devant vous plusieurs choix qui vont s'afficher devant vous. Nous ce qui va nous intéresser, ça va être l'option photo du profil. Maintenant une fois que vous avez cliqué dessus, vous aurez normalement vos photos Facebook, PlayStation App et avatar. Vous allez tout simplement choisir l'option PlayStation App, puis ensuite une fois que vous l'avez choisi, vous allez faire confirmer. Maintenant une fois que vous avez fait confirmer, vous allez normalement voir que l'avatar a bien changé. S'il n'a pas encore changé, ce que vous pouvez faire c'est éteindre la console et la rallumer, et normalement il n'y aura aucun souci pour cela, l'avatar aura bien changé et c'est franchement super sympa de voir ça. Donc voilà les amis, j'espère simplement que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. N'hésitez pas à laisser pourquoi pas un petit j'aime, moi ça me ferait vraiment super plaisir, et bien évidemment si vous abonnez à ma chaîne pour suivre vraiment toutes mes prochaines vidéos. Allez, moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez bye tout le monde.